Alors. Mina. Alors. Mina. Mina. Oh, c'était pas bien que ça. Mina. Ah bah... Manu... J'ai gagné ? Ah non. Ah mais c'est marrant ça. Mina ! Mina ! Bon bah... Je le latte avec des calls from hell. Par contre, ouais, alors attendez, parce que là, c'est le bordel. Du coup, on va s'en remettre en normal. Bon, voilà. 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 Bien. Ensuite on recommence. Et on recommence avec la commande. Ah, monsieur. Okay. Non. Voilà. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. La mort pour vous. Cette terre deviendra un enfer. Ah bah voilà, sans dégâts. Ah bah voilà. Ils sont là. On continue. Non, pas d'espace. Mon attaque est sans effet. Ce seront éternels. Voilà. Je me délecterai. Mon attaque est sans effet. Voilà. Allez, deuxième. Mina. Ah, il est blessé. Il est blessé. On y arrive. C'est moi ou ça a raté très fort? Mon attaque est sans effet. Mon attaque est sans effet. Ah c'est... Ah si, là ça fait de l'effet. Alors je crois. Non, ça met zéro d'attaque. Très bien. Donc là... Voilà, attaque-moi. Ah bah voilà. Ok. Ok ok. Donc c'est ça, faut que je mette...
deviendra un enfer par ma main. Voilà. Du coup, là, il en est où? Il est toujours blessé. Ouais. Merde, il est trompé. On sait qu'il y aurait eu plus de vaches. Ah, voilà, phase 2. Phase 2. On avance. On avance dans le game. Du coup, on va s'en mettre en débug mode 0. Pour l'instant, on avance, hein. Même si c'est un peu nul ce qui se passe. Ah, je vous avoue que c'est un peu mieux ce qui se passe. Voilà, et on est reparti pour la dernière de Mephisto. J'aime beaucoup comment elle se rate les vaches. C'est-à-dire qu'elles vont pas du tout au bon endroit. Mais bon, allez, ouais, c'est ça. Le but en fait, madame, c'est de partir, voilà, juste là. Voilà. Ah. Je ne peux plus vous combattre. Ça y est, il se passe un truc. Vous vous présentez devant un duc de l'enfer. Il se passe un truc. Il semble que vous soyez ma perte créature. Je vous ai sous-estimé. Allez. Je ne ferai plus la même erreur. Oh, excuse-moi. Il n'y aura plus que la prochaine fois, il se plaît. Meurs, connard. Oups, alors vous voyez, petit GG. Hein. C'était pas foutu. Bon, fonction GG n'a pas été trouvée, pas grave. Alors, pour l'instant, dans une cinématique buggée. Pas grave. Ainsi va la légende. Dans les histoires d'un âge aussi fameux pour ses héros que pour ses êtres malfaisants, votre légende survivra. Les scribes liront vos exploits dans de vieux volumes poussiéreux et s'émerveilleront qu'un tel être ait pu un jour marcher à la surface de Toril. Il est dit que le grand archidiable Méphistophélès tomba en poussière et n'exista plus. Le monde frémit à son trépas et tout fut calme un instant. Mais il est rarement si simple de mettre fin à l'existence de tels êtres. Certaines légendes affirment que Méphistophélès ne pouvait pas être entièrement détruit sur le plan matériel.
sa volonté aurait survécu, et par désir de vengeance, son corps se serait reformé sur les plans extérieurs. Le jour de son retour viendrait, mais ceci est une autre histoire. La fin de l'histoire n'est cependant qu'une partie de la légende. Les anciens grimoires évoquent votre destin dans les années à venir, le sort de vos compagnons et votre influence sur le monde. Au profond de Renaké de ses cendres, retrouvant bien vite toute l'animation et la ferveur du cœur de Faerûn, revenu avec sa famille, Jormal rendit aux portes Votre terre se souvint encore de votre passage. Oui, bon, mettrez la pause pour lire. Hein. Zor avec mur. Oh, regarde-moi ce personnage. Dispersé au combat. Bah oui, hein, connasse. Et ça, c'est moi. Fin. Yeah, ça y est, le temps est fini entièrement, putain. Ah, cette extension de l'enfer. Ah, l'extension de l'enfer. Donc là, je pense sincèrement que il y a un problème au niveau des extensions. C'est horrible. Je sais pas comment je vais me débrouiller à l'heure actuelle pour rendre ça intéressant. Ça va être compliqué. Toujours est-il que le jeu est terminé. Pas de la bonne façon, mais il est terminé. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe quand même. Pour moi, ça reste quand même un bon jeu, mais cette extension, je ne la recommande pas du tout. Mais vraiment pas du tout, parce qu'elle est dégueulasse. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dure pour ce qu'elle est. Et ils disent, oui, on peut aller jusqu'au niveau 40. Mais très bien, il y a beaucoup trop d'options. Très bien, si je trouve que j'ai sans doute mal joué mon personnage. Ce qui est sûrement le cas. Mais c'est horrible. Je ne recommande pas du tout cette extension, vraiment. Sauf si vous voulez jouer. Et voilà, bon, quelque part, moi, je vais arrêter le jeu. J'ai enfin fini. J'ai mis énormément de temps. Et c'est triste de mettre autant de temps pour un jeu pareil. Mais oui. C'est comme ça, et puis c'est tout, écoutez, voilà. Bon, je pense que on va attendre gentiment que le jeu finisse les crédits. Et puis voilà. Du coup, je ne sais pas à l'heure actuelle ce que je vais choisir pour le prochain gros RPG. Pas Neverwinter Night 2. Sûrement pas, s'il est aussi chiant que le premier. Enfin, est aussi dur plutôt. Mais quand j'aurai un meilleur PC, du coup, parce qu'actuellement ça va être compliqué. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Alors, j'ai bien d'autres idées. J'ai une idée. J'ai peut-être une idée. Un jeu qui pourrait être cool. On va voir s'il fonctionne. J'en ai plein d'autres. Mais pour le moment, on va tranquillement finir tout ça. Et puis, je verrai bien. De toute façon, j'aurai bien ce que je choisirai. Oh, il est un peu long tout ça. Tout petit peu long, hein. Je tiens à le dire. Vraiment. Bon, on va passer un petit peu tout ça. Oui, Special Things. Oui. Allez, plus vite. Et ben voilà, allez. C'était donc Neverwinter Night, Hearts of the Underdark, et c'est terminé.
Et c'est vraiment, vraiment pas la meilleure extension. C'est vraiment pas un truc que je vous recommande. Voilà. J'en parlerai un peu plus sans doute dans la vidéo de fin d'année. Mais actuellement, voilà. Mon ressenti sur cette extension est très, très, très mauvaise. Vraiment très mauvaise. C'est-à-dire que autant le chapitre 1 ça va, le chapitre 2 il est pas possible, le chapitre 3 il est impossible. L'extension numéro 1, le chapitre 1 il est faisable, l'interlude est tranquille, le chapitre 2 sur la fin ça va. Et la campagne internet, bon le prélude classique, le 1 ça va, le 2 ça va. Chapitre 3 ça commence à être compliqué, le chapitre 4. Il n'y a pas de grosses difficultés. Voilà. Donc du coup merci d'avoir suivi cette aventure sur plusieurs années. Encore désolé d'avoir mis autant de temps. Merci à vous. N'oubliez pas pouce bleu, commentaire, abonnement, tout ça. Et un bon jeu. Et à la prochaine pour une autre aventure sur un autre jeu.